fait l'inauguration de mon nouveau nom d'enseigne. J'ai repris la cave Jean D, donc qui existait depuis 35 ans. Il y a 2 ans. Et aujourd'hui, en fait, on fête les 2 ans et j'en ai profité pour changer le nom d'enseigne. Donc, on passe de cave Jean D au 400 crus. Voilà. C'est un petit clin d'œil à la statue des 400 crus. Et puis, je trouvais que le nom était sympa. Et puis, à la fois, il évoque Chambéry, à la fois, il évoque le vin. J'ai invité le fichier client les clients de la cave Jean D, les clients historiques, on va dire, de la cave Jean D. Et puis plus, en fait, tous les nouveaux clients, tout petit à petit, viennent et voilà. Et puis qui me suivent dans l'aventure depuis 2 ans. Donc c'est bien, ça fait un petit coup de jeune aussi, ça fait un petit peu de changement, c'est sympa. Depuis 2 ans, c'est vrai que moi j'essaye d'avoir des vins un petit peu à tous les prix, d'avoir des petits producteurs. J'ai des vins à 3,60, à 3,60€. J'ai des vins évidemment à plusieurs centaines d'euros. Mais voilà, j'essaye de rendre le vin accessible. Je veux que le vin soit simple en fait, que ça soit pas compliqué, que ça soit juste du partage, de la convivialité. Et puis voilà, et puis il n'y a pas besoin de mettre toutes sortes de formes autour, il suffit juste de se faire plaisir. Des clients viennent, alors soit pour un cadeau, donc, ne connaissant pas trop les goûts de la personne, donc j'essaie de les orienter au mieux, soit parce qu'ils ont un plat, ils ont quelque chose et ils veulent un vin qui va avec, et puis j'essaie de trouver, de faire au mieux. Mes vins viennent surtout de producteurs, j'essaie de travailler essentiellement avec des producteurs indépendants, donc j'évite les grosses structures, tout simplement parce que généralement les producteurs indépendants font des choses meilleures. Puis c'est des vins qui ont une identité, qui sont vivants, qui voilà. Et puis j'aime bien parler avec quelqu'un et vendre ses vins, je trouve que c'est mieux. Et puis il se trouve qu'en fait, la plupart des gens qui travaillent bien, après pas tous, hein, mais généralement les très bons vins qualitativement parlant sont issus d'agriculture biologique ou de biodynamie, quoi. Donc en fait ça se fait naturellement. Donc, du coup c'est vrai que j'ai beaucoup de vins qui sont en bio ou en biodynamie. Hein. Donc, moi je travaille beaucoup la vallée du Rhône, une petite affection pour le Languedoc. Et aussi la Bourgogne, mais bon, je travaille tout, hein, Bordeaux, Alsace, Provence, tout. La Loire, c'est bien. La Loire, c'est bon. Le Beaujolais aussi. Des choses magnifiques dans le Beaujolais, il n'y a pas que le Beaujolais nouveau, il y a énormément de très belles choses. Le but, en fait, c'est que les gens, s'ils peuvent, évitent d'acheter des vins issus de très grosses structures et qui sont généralement pas terribles. J'aime autant qu'ils viennent là, qu'ils aient des vins de vignerons, et j'essaie de chercher au maximum pour trouver des vins à des prix accessibles, mais qu'ils soient bons, qu'il y ait une identité, qu'ils soient des vrais vins, entre guillemets.